Yeah, yeah. Le hip-hop 237 est en fait un réseau de beaucoup d'artistes. Parce qu'il est constitué de rappeurs, d'arrembistes, de vidéomakers, de techniciens. Donc dans la dynamique de développement culturel, on s'est dit qu'il était temps de faire quelque chose. Parce que la remarque est plus que criarde, tout était arrêté, tout s'est arrêté. Ils ont décidé de se regrouper pour faire un projet qui a pour but de sensibiliser les jeunes sur la pandémie actuelle qui sévit dans le monde. Évitons les contacts, mais restons au contact des mesures. Oui, nous avons répondu présent à l'appel de Amor Pictures, le label porté et incarné par Philo Lirico. Ceci pour accompagner le gouvernement dans sa communication, pour informer et éduquer les populations de la dangerosité et de la réalité du Covid-19. On a décidé de se mettre ensemble pour réagir aussi à notre façon et construire un peu notre pays. Nous avons tous été choqués, le monde entier d'ailleurs est paralysé par la pandémie. Vu les dégâts qu'elle cause à tous les niveaux, que ce soit social, sanitaire, économique, financier, boursier. Moi, par exemple, je suis enseignante, bien qu'étant artiste, je suis obligée de donner des cours à distance à tous mes élèves, généralement et principalement ceux qui sont en classe d'examen. Ma chérie, si tu m'aimes, reste à un mètre de distance. L'économie. On remercie tout le monde, hein. On remercie le matricule Hip Hop 237. OBD Style, Suzanne Vrain, la blogueuse. Charlemagne et Abel. Tous les anciens, à l'instar de Vic, Daisy, René Cool. Et bien sûr, Monsieur Chaka. On continue à s'unir, on continue à penser que nous pourrons repousser un peu les limites de cette pandémie. Et que très bientôt, nous pourrons reprendre les choses avec la chaleur et la convivialité qu'on connaît au Cameroun, quoi. Donc voilà. Mon frère, vas-y, protège-toi. Yo, yo. Take your protection against Corona. Fight with your strength against this killer. Watch your hands, stay far. Pas ton masque, il fait ton dépister. Attends.